Il n'y a pas de souci à toutes sur le canal Yoda-san, le canal non officiel. Voilà, à l'approche de la rentrée pour bon nombre d'entre vous, sachant que pour le Yoda, la rentrée a déjà eu lieu. Lol, c'est la fête. Alors, je voulais parler un petit peu de theming, de thème visuel que je compte livrer sur commande. J'ai pas encore finalisé tout cela, hein, j'ai toujours pareil, à droite, à gauche, des trucs à faire, à penser. Bref, voilà. Il n'y en a pas assez pour 24 heures, ou il y en a trop même, plutôt. Donc voilà, des thèmes sur lesquels j'ai quand même beaucoup bossé. Je rappelle encore une fois, rien n'empêche qui que ce soit d'utiliser des thèmes d'une manière gratuite, puisque... pas mal de thémeurs en livrent régulièrement hein, ou le mettent à disposition. Après, comme je le répète, vous faites ce que vous voulez. Bon, de toute façon, moi, après, de mon côté, moi, j'estime que c'est beaucoup de boulot et je peux vous le confirmer. Ça peut prendre quand même, ça m'a pris 1 à 2 semaines pour certains thèmes. Voudront effectivement en bénéficier, ben on pourra voir ça ensemble, sachant que Yoda compte se consacrer à des thèmes vraiment sur mesure, on va dire à la demande, suivant les desiderata de ceux qui souhaiteront effectivement commander des thèmes à Yoda, des thèmes visuels pour personnifier leur Windows. Alors par contre je sais pas encore du tout comment j'évaluerai tout ça, sachant que par exemple un thème assez sophistiqué peut demander entre 1 et 2 semaines, suivant en plus mes dispos. Mais sachez que je pourrais effectivement distribuer des thèmes avec des images personnifiées, des thèmes qui auront aussi l'intérêt d'être vraiment à l'image de l'utilisateur sur ce qu'il a décidé au niveau apparence, au niveau couleur, au niveau voilà. Donc quelque chose à étudier avec Yoda pour dispenser des thèmes assez sympathiques, hein, comme celui-ci que j'ai créé, voilà. Tout récemment que j'utilise à mon usage pour l'instant personnel, mais effectivement on peut voir avec les intéressés ce qu'il est possible de faire selon les goûts de l'un des uns et des autres. C'est un thème, hein, c'est un exemple de thème qui effectivement peut prendre ça 1 semaine facile. Ça m'a pris une bonne semaine, même en faisant mes choses à côté et en y consacrant beaucoup de temps, pour un résultat assez surprenant, puisque le Yoda a réussi quand même à repousser certaines limites du theming, quand même des choses que vous n'avez peut-être pas l'habitude de voir, des choses assez inédites. Donc effectivement, sachez que sous Windows 10, puisque je tourne sous la version Creator Update, ça reste encore possible de faire ce genre de choses. Mais par contre, vous ne croiserez pas ce genre de thème à tous les coins de rue, ça c'est évident. Voilà, hein, donc un thème vraiment très sophistiqué, avec quelque chose d'assez inédit que je n'ai pas vu chez d'autres thémeurs sur le net, avec des emplacements d'images personnifiées à des endroits assez inédits. Voilà, possibilité aussi d'effets comme ça. Voilà, donc je peux vous dire que c'est assez sympa. Et si effectivement certaines d'entre vous sont intéressés pour avoir un theming de ce genre, bah Yoda peut s'y coller. Alors. Mais voilà, hein, ça sera vraiment des thèmes sur mesure. Des thèmes sur commande. Voilà, donc je pense pas qu'il sera possible de faire ça à grande échelle. C'est pas vraiment le but. Le but, c'est d'avoir quand même une touche artistique assez propre
à ceux qui seront intéressés pour faire voilà une commande de thème genre comme ça, sachant que là on part quand même sur un des thèmes de Yoda au niveau structure parmi les plus sophistiqués, hein. Ça c'est, il n'y a pas de problème. C'est le genre de thème, je peux vous dire, qui prend du temps à faire. Par contre, pour un résultat vraiment qui peut être assez bluffant. Voilà. Ok. Bon, écoutez, c'est tout ce que j'avais à dire de particulier. Je voulais peut-être montrer un autre type de theming. Voilà. Mais comme je dis. Ok. Hop. Voilà. Voyez un petit peu. Ça, c'est un autre exemple d'emplacement personnifié. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Voilà. Alors, j'étais en train aussi de penser à cette fin de thème personnifié. Pour certains, la mise en place peut être ardue si vous vous appelez pas Yoda. Lol. Donc, je pensais aussi à la possibilité pour ceux qui feraient des commandes, notamment, voilà, parce qu'effectivement, je m'alignerai sûrement pas sur, on va dire, les mêmes prestations qu'offrent déjà certains thémeurs pour réaliser des thèmes ou les distribuer à certains utilisateurs. Je veux dire, dans ce sens-là, Yoda aura une prestation qui sera, on va dire, au-delà de celle des autres thémeurs, hein, qui distribuent sous forme monétisée leur thème. Mais par contre, je pensais à cela, dans ce sens d'un souci de qualité, je serais vraisemblablement amené à offrir aussi un service de mise en place via assistance à distance et installation mise en place du thème pour ceux qui auraient des difficultés. Ça me semble normal, ça me semble aussi logique dans le sens où une prestation de qualité, à mon avis, doit aussi assurer cela et pas laisser l'utilisateur on va dire dans le flou et avec quelque chose qui n'aurait pas le résultat escompté. Sachant que TeamViewer, par exemple, hein, comme logiciel d'assistance à distance, marche très bien et n'importe où. Voilà, donc ça, c'est pas du tout un souci. Voilà, après, je vous dis, c'est juste une mise en place au niveau manière de penser comment distribuer ce genre de thème personnifié. Voilà, de manière unique. J'ai pas envie non plus, hein, et c'est compréhensible, de voir aussi mes thèmes circuler partout sur le net, alors qu'ils ne sont pas du tout destinés à cet usage. Voilà, ça m'arrivera de distribuer des thèmes, on va dire, gracieusement, si j'en ai le temps, hein, évidemment, avec tout ce qui se profile en changement un petit peu au quotidien et dans la life de Yoda. Donc voilà, en tout cas, je voulais vous montrer aujourd'hui un petit aperçu de tout ce qu'il est possible de faire sous la patte de Yoda. Et sur ce, je vous dis bonne journée, bonne soirée et faites-vous pas chier. Ciao, ciao.